Bonjour, donc mes chers élèves du deuxième bac, toutes les options SVT, PC, à sciences maths et agronomie. Alors, bienvenue dans la chaîne SVT plus Carval pour la vulgarisation des sciences de la vie et de la terre. Je continue avec les élèves du deuxième bac, option SVT sciences maths, avec l'unité ce qu'on appelle la génétique bien sûr des populations, la génétique des populations. Voilà, donc le titre c'est la génétique des populations. Un petit récapitulatif des vidéos précédentes que j'ai fait. J'ai fait deux vidéos, hein. Une vidéo introductive sur la génétique des populations. Je vous ai parlé donc de la notion de la génétique de population comparée à la génétique mendélienne. On a parlé de ce que c'est que la population. Donc revoir cette vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de ce qu'on appelle le pool génique de la population avec ce petit exercice qu'on va résoudre ensemble. Le schéma explicatif petit a, la figure A, représente le pool génique relatif au locus d'un gène schéma chez une population théorique composée de 15 individus. On va supposer que le gène n'est pas lié au sexe et possède deux allèles, l'allèle grand A dominant et l'allèle petit a récessif. Le travail à faire, c'est premièrement donner une définition au pool génique. En utilisant la méthode des probabilités, la deuxième question, calculer les fréquences génotypiques, phénotypiques, génotypiques et alléliques en remplissant le tableau ci-dessous, la figure B. Alors, Inch'Allah, on a donc un gène à deux allèles. Voilà. Donc, l'un des allèles est dominant, grand A, l'autre récessif. Donc, on a trois génotypes. Trois génotypes. Avec la dominance, bien sûr, complète ici. Génotype. Quels sont ces génotypes? Donc, grand A, l'homozygote dominant. On peut l'écrire aussi comme ça. Voilà. L'hétérozygote, grand A, petit a. Et l'homozygote récessif. Voilà. Alors, donc, ça, c'est grand A donnera le phénotype grand A. L'hétérozygote donc donnera toujours le phénotype dominant et l'homozygote récessif donc donnera le phénotype voilà petit a. Alors à chaque génotype, à chaque phénotype, il y a une fréquence, d'accord, dans la population. Donc on va noter la fréquence du phénotype grand A, F de A, entre crochets bien sûr. C'est quoi? C'est le nombre. Voilà, on va écrire ici NB, le nombre des individus ayant ce phénotype sur le nombre total, c'est-à-dire 15, de la population totale. Voilà, je vais noter T, total ici. Voilà, donc vous allez calculer ça. La même chose, F la fréquence du phénotype petit a, donc petit a ici, elle est égale à quoi? Au nombre des individus ayant ces phénotypes. Ce phénotype sur le nombre total, NBT. D'accord? On va calculer. La fréquence après, donc la fréquence des génotypes. Combien de génotypes? La fréquence de grand A, l'homozygote dominant. La même chose, le nombre d'individus ayant ce génotype sur le nombre total de la population. Total. D'accord? La fréquence du génotype grand A, petit a, l'hétérozygote, c'est le nombre d'individus ayant ce génotype sur le nombre total. Et la fréquence du génotype homozygote récessif de AA, c'est la même chose. Le nombre d'individus ayant ce génotype, d'accord, sur le nombre total. D'accord? Donc, l'application numérique, il suffit de compter. Les phénotypes, donc, grand A, seront que les deux génotypes homozygote et hétérozygote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 sur le total, ça fait, pardon, 12 sur 15. Donc, il suffit de simplifier par 3, donc ça donne 4 sur 5, ça fait 0,8. D'accord? Pour le phénotype petit a, donc, vous avez ici trois génotypes.
Donc petit a, donc on a 3 joints. Donc 3 est égal à 3 ici. Pardon, 3 sur 15. Il est égal à 1 sur 5. Il est égal à 0,2. Pour la fréquence du jointure pour homozygote dominant, la même chose, il faut compter donc l'homozygote dominant. 1, 2, 3, 4, 5, voilà, et 6, 7. Donc 7, il est égal à 7 sur 15. L'hétérozygote, donc F de AA, il faut le compter. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5, il est égal à 5, pardon, 5 sur 15, ça fait 1 sur 3, d'accord, ça fait 0,3, ça fait, d'accord, alors, F2AA, donc la fréquence de l'homozygote récessif, 3, on a 3, donc 3, donc 3 sur 15, il est égal à 1 sur 5, voilà, 1. Alors, 1 sur 5, il est égal à 0,2. La fréquence des allèles, l'allèle A et l'allèle. Donc, on note la fréquence de l'allèle A, c'est P. La fréquence de l'allèle petit a, c'est Q. On note F de AA est égal à D, grand D, F de l'hétérozygote, le génotype hétérozygote H, le génotype récessif homozygote R. Donc, directement, je vais après, on va calculer numériquement ça. F de A, donc la fréquence de l'allèle A est égale à la fréquence de génotype homozygote grand A, d'accord, plus la fréquence du génotype hétérozygote sur 2, c'est-à-dire grand D est égal à grand D, plus H sur 2, puisqu'on a écrit ça, d'accord. La fréquence de l'allèle A elle est égale à F de petit a plus F2, l'hétérozygote grand A. Pourquoi sur 2? Parce qu'il y a deux allèles ici. Donc il est égal à R plus H sur 2. Le calcul numérique, vous allez donc calculer numériquement ça. J'ai déjà fait quelque chose ici. Donc vous remplissez le tableau. Vous avez phénotype, deux phénotypes. Vous avez le nombre, la fréquence, le génotype. Vous avez le nombre, la fréquence. Donc on a déjà fait ça. Donc, il suffit de voir donc l'autre page, j'ai déjà fait ça pour vous. Donc, voilà la réponse, les réponses. Voilà, arrêtez la vidéo pour écrire, revoir la vidéo, les réponses. La définition du pool génique, voire bilan. Donc, je vais partir directement sur le bilan pour répondre à la question, c'est quoi le pool génique? Une population, alors, est caractérisée par son génome collectif appelé le pool génique. C'est l'ensemble des allèles portés par différents locus du gène pour tous les individus de la population. Il est caractérisé par sa continuité à travers les générations. Alors, pour calculer la fréquence allélique au sein d'une population, en utilisant la formule suivante. La fréquence allélique au sein d'un échantillon est égale au nombre de génomes homozygotes pour l'allèle sur le nombre total des individus de la population, plus un demi. Pourquoi un demi? De quoi? De nombre de gènes hétérozygotes pour l'allèle sur le nombre total des individus de la population. D'accord, donc la méthode des probabilités que j'ai fait, revoir la vidéo, donc j'ai déjà fait ça, voilà, pardon, ici, j'ai utilisé la méthode des probabilités pour calculer les fréquences phénotypiques, génotypiques, alléliques, donc vous allez donc revoir la vidéo, Inch'Allah, bon courage à tout le monde, je récapitule. Une population est caractérisée par son génome collectif appelé le pool génique. C'est l'ensemble des allèles portés par différents locus de gènes pour tous les individus de la population. Il est caractérisé par sa continuité à travers les générations. En arabe, sakina tatamiyaz bi muhtawa gini jama'i yusamma al muhtawa gini. Voilà. نمطوراتي جماعي ولا يسمى المحتوى الجيني ومجموع الحاليلات المحمولة في مختلف مواضيع المورثات بالنسبة لجميع أفراد الساكنة ويتميز بالاستمرارية عبر الأجيال ولا pour calculer la fréquence allélique au sein d'un échantillon il est égal au nombre de gènes homozygotes pour l'allèle sur le nombre total des individus de la population plus un demi
le nombre de gènes hétérozygotes pour l'allèle.